Règles pour les radicaux. Entre Saul Alinsky et Jésus-Christ. Bien des soi-disant progressistes et amateurs du communisme se veulent suivre 13 principes tirés du dernier livre de Saul Alinsky, Être radical, manuel pragmatique pour radicaux réalistes. Certains pseudo-intellectuels défient en tant qu'organisateurs bienveillants cherchant à regrouper les communautés à faible revenu afin de leur donner les moyens d'acquérir l'égalité sociale, politique, juridique et économique en défiant les agences actuelles qui font la promotion de leur inégalité. Sans le savoir, ces soi-disant sauveurs de l'humanité suivent des enseignements de Jésus-Christ appliqués à l'agenda social du diable. Passons en revue ces 13 doctrines dans les propres mots d'Alinsky par rapport aux paroles de Jésus. 1. Le pouvoir n'est pas seulement ce dont vous disposez, mais ce que l'ennemi pense que vous avez. Le pouvoir vient principalement de deux sources, l'argent et les personnes. Le pouvoir des démunis doit être de chair et d'os. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. 2. Ne jamais sortir du champ d'expertise de votre groupe. Battez-vous en terrain connu. Si vous sortez de votre champ d'expertise, il en résultera de la confusion, de la peur et du repli. Se sentir à l'aise dans sa zone de confort est bénéfique pour tout le monde. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. 3. Chaque fois que possible, poussez l'ennemi à sortir de son champ d'expertise. Attirez votre ennemi en terrain inconnu. Cherchez des manières d'accroître son anxiété et son incertitude. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 4. Obligez votre ennemi à respecter ses propres règles. S'il a pour règle de répondre à chaque courrier reçu, envoyez 30 000 courriers. Cela peut être fatal, car personne ne peut obéir à toutes ses propres règles. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. 5. La dérision est l'arme la plus puissante de l'homme. On ne peut pas y faire face. C'est irrationnel. C'est exaspérant. Ça marche aussi comme un point névralgique pour pousser l'ennemi à faire des concessions. Malheur à vous, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. 6. Une bonne tactique est une tactique qui plaît aux membres de votre groupe. Ils vont continuer à la pratiquer sans qu'on les incite et reviendront en faire plus. Ils vont le part et vont même être force de proposition. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. 7. Une tactique usée devient une entrave. Ne devenez pas ringard. Tout spécialiste de la loi instruit tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. 8. Maintenir la pression, ne la relâchez jamais. Continuez à essayer de nouvelles choses pour maintenir à l'opposition dans les cordes. Quand l'adversaire tente une approche, prenez-le à revers avec quelque chose de nouveau. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ? Aucun ne put lui répondre un mot.
9. La menace est plus terrifiante que la chose elle-même. L'imagination a plus de pouvoir que n'importe quel militant. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs. 10. L'un des objectifs majeurs pour l'élaboration d'une tactique est de trouver ce qui permettra de maintenir une pression constante sur l'opposition. Le succès d'une campagne vient de la capacité à maintenir la pression sur notre adversaire. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 11. Si vous poussez un aspect négatif à fond, il va devenir un aspect positif. La violence de l'autre côté peut amener le public à vous soutenir parce que le public prend la défense des opprimés. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes. 12. Le prix d'une attaque réussie est une alternative constructive. Ne laissez jamais l'ennemi marquer des points parce que vous êtes sans solution face à un problème. Il était écrit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. 13. Choisir la cible, verrouillez-la, personnalisez-la et polarisez-la. Coupez le réseau de soutien et empêchez votre adversaire d'obtenir de la sympathie. Allez chercher des gens et non des institutions. Les gens sont plus facilement blessés que les institutions. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. De peu que l'on oublie au moins une reconnaissance par-dessus l'épaule du tout premier radical de toutes nos légendes, mythologies et histoires. Qui sait où la mythologie s'interrompt et où l'histoire commence, ou ce qui est l'une ou l'autre. Le premier radical connu à l'homme qui s'est rebellé contre l'établissement et l'a fait si efficacement qu'il a au moins gagné son propre royaume, Lucifer. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.